Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour un jour pareil. Quand tu veux te révéler à chacun de nous, nous demandons, Seigneur, que la révélation de ta personne nous amène à nous engager dans la nouvelle direction que tu veux pour nous au nom de Jésus. Comme nous avons la pensée, l'objectif pour faire ta volonté, pour que l'objectif de notre création, de notre rédemption soit accompli, nous prions que nos cœurs suivent au nom de Jésus. Quel que soit ce que nous avons sur le cœur, nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de mettre ça de côté afin que ta parole et ta révélation fassent du bien dans nos vies au nom de Jésus. Ouvre nos yeux de compréhension pour contempler les choses merveilleuses de ta parole. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons en Esther au chapitre 2, à partir du verset 7. Esther, chapitre 2, verset 7. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Voyons le verset 11. On dit, « Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. » Verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Il y a des gens qui ont des questions sur Esther. Le fait qu'elle s'est surtout mariée à Cyrus. Mais ce n'est pas la section pour laquelle nous voulons montrer pourquoi tel s'est passé. Mais en Deutéronome chapitre 29, verset 29, révèle clairement et de façon explicite, voyez cela, Deutéronome 29, 29, les choses secrètes, les choses cachées sont à l'Éternel. Ce qu'il a choisi ne pas révéler à la personne moyenne, ces choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses qui sont pleinement, clairement écrites. Ce qui est clairement écrit nous appartient et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand vous revenez à Esther, et vous prenez l'histoire, dès le point où vous comprenez, Esther avait été élevée par Mardoché. Et finalement, vous voyez la providence de Dieu et ce que Dieu a fait. Et cette partie que vous comprenez, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que je suis sur terre? Qu'est-ce que je suis établi faire sur terre? Quelles sont les choses qui vont m'aider
à être l'homme, la femme que Dieu a créé pour que je sois et pour lequel Dieu m'a racheté selon sa volonté est révélé dans ma vie. En regardant Esther, elle a obtenu la faveur du roi parce qu'elle avait obtenu la faveur de Dieu. Comprenez, la faveur de l'homme ne peut venir finalement pour nous placer sur la place ou la plateforme où nous devons être, ou que nous devons occuper dans l'histoire, la rédemption. Mais elle avait obtenu la faveur de Dieu. Dans le langage du Nouveau Testament, nous dirons qu'elle était sauvée par la grâce. Et son nom est entré dans les livres de Dieu. Vous verrez dans toute la Bible, Ruth une femme, Esther une femme. Et ces deux noms sont évidents dans les Écritures. Je prie que ton nom entre et demeure dans les livres, dans le livre de vie au nom de Jésus. Voyons sa vie. Il n'y a point de récit de péché, c'est-à-dire de façon catégorique. Il n'y a point de récit de déshonneur, point de récit de tâche, point de récit de mondanité, point de récit de transgression, point de récit d'orgueil, point de récit du mal dans sa vie. Et nous savons que vous ne pouvez pas être comme ça sans péché, sans tâche, sans le mal, tout au long de votre vie, sauf si la grâce vient dans votre vie. Sans la vraie conversion et sans le salut authentique, cela sera littéralement impossible. Voyez sa vie. Sa vie a été caractérisé par sa soumission à être enseignable. Quelqu'un qu'on peut diriger, quelqu'un qu'on peut corriger, quelqu'un qu'on peut féliciter, elle était enseignable. Sa vie était caractérisée par la justice. Dans les petits détails de sa vie et dans la grande exposition de sa vie, vous voyez la justice, vous voyez l'humilité, même quand elle s'est retrouvée en poste et en position de reine dans le pays. Et son mari, le roi, avait la juridiction sur 127 provinces dans le monde, mais l'humilité a caractérisé sa vie. Une personne qui s'élève. Et les récits de sa vie montrent sa soumission à être enseignable, sa justice, sa soumission. Ce n'est pas une question, ce n'est pas quelqu'une qu'on méprise, parce qu'elle a une leçon importante à nous enseigner. Sa vie avait été caractérisée par l'intercession, caractérisée par la prière et le jeûne, caractérisée par le sacrifice de soi. Si je dois périr, je périrai. C'est la même pensée que l'apôtre Paul. Elle avait une grande sollicitude, un grand fardeau pour que le peuple d'Israël soit sauvé. Même s'il faut que je sois retranché, maudite par le Seigneur, je l'accepterai volontairement si la nation sera sauvée. Ça, c'est le même état d'esprit et le sacrifice de soi caractérisant cette Esther, et bien sûr, le courage qu'elle a, la maîtrise de soi qu'elle a démontré, l'exaucement à ses prières et la sagesse divine que nous voyons dans sa vie. L'invisibilité, pas invisible, pas invincible, mais invincible. Non. Touché par les événements, sachant que la sagesse que Dieu lui avait donnée sauvera sa nation. Et pour préserver la nation, afin que le peuple d'Israël, les Juifs ne soient pas détruits
car notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, devait venir à travers eux. Maintenant, ensuite, elle est devenue la source de la joie nationale. Je prie pour toi que Dieu te donne une place dans la nation, une place dans l'église. Et ce que Dieu a créé pour que tu sois, tu le seras au nom de Jésus. Je vous parle ce jour du sujet. Chaque Esther a besoin de Mardoché. Ça, c'est le thème. Chaque Esther a besoin d'un Mardoché. Oui, Dieu a son plan. Dieu a sa volonté de l'éternité. Car toutes choses sont connues à Dieu avant la fondation de la terre. Il te connaissait. Il savait que tu seras ici aujourd'hui. Rien ne se passe. Oh, à l'âme rachetée par accident. Tu n'es pas un accident. Dieu te connaît. Et Dieu sait ce qu'il veut te faire endurer. Dieu connaît la hauteur que tu atteindras. Et tu l'atteindras au nom de Jésus. Mais, comme Esther, Esther avait besoin de Mardoché. Pas de père, pas de mère, pas d'enseignant, pas d'aide, pas de soutien. Mais tout ce que tu penses que tu n'as pas, tu y arriveras. Chaque Esther a besoin d'un Mardoché. Trois points à considérer. Premièrement, l'opportunité gracieuse sous un Mardoché tirait le mentor. L'opportunité gracieuse sous un Mardoché. Vous mettez tirer le mentor. Deuxième point. L'obéissance reconnaissante à son Mardoché tirait le ministre. Mardoché le ministre. Il était ministre pour elle. Et elle a rendu par une obéissance forcée, une obéissance contraignante ou une obéissance forcée. Non, elle lui a rendu une obéissance reconnaissante à son Mardoché tiré le ministre. Troisième point, l'obligation continuelle, l'obligation continuelle. Une obligation qui émane de nous. L'obligation continuelle de tout membre. Tu es membre de la famille. Tu es membre de l'église du Dieu vivant. Il y a une obligation que Dieu a dépeint devant toi. Et tu dois t'y conformer. Et cette obligation est... Elle est en train de s'éloigner. Elle est en train de s'éloigner de toi. L'obligation continuelle de tout membre. Le premier point. Le premier point, c'est quoi? Que Dieu vous bénisse. Très bien. L'opportunité gracieuse sous un Mardoché, le mentor. Le chapitre 2 d'Esther, Esther chapitre 2, lisons pas du verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Voyez la dernière partie du verset 20. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Voyez cela. Mardoché éleva Esther. Et il l'a recueillie comme sa propre fille. Chaque Esther a besoin d'un Mardoché.
pour avoir l'opportunité d'être élevé, formé pour être disciple. Quand vous pensez à toute la révélation des Écritures, chaque orphelin, orpheline a besoin d'un tuteur. Or, Esther était une orpheline, point de père, point de mère. Et qu'est-ce qu'elle serait devenue dans sa vie s'il n'y avait pas de tuteur comme Mardoché? Chaque orphelin, orpheline a besoin d'un tuteur. Regarde dans ta communauté, regarde autour de toi. Regarde dans l'église. Est-ce que tu vois ces jeunes? Est-ce que tu leur demandes d'où est-ce qu'ils viennent? Leur nom, leurs parents, leur mère. Est-ce qu'ils vont, ils fréquentent? Est-ce qu'ils n'ont pas l'école? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi est-ce que tu sens comme ça? Si c'est un orphelin, chaque orphelin a besoin d'un tuteur. Chaque enfant a besoin d'un tuteur. Quand tu vois un enfant, quand Esther était encore enfant, chaque enfant a besoin d'un parent. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de tuteur, qui ont besoin de la direction. Quand quelqu'un, est-ce que quelqu'un se lèvera là-bas pour être un tuteur? Chaque adolescent a besoin d'un enseignant. Comme les adolescents grandissent, parfois les parents n'arrivent pas à les gérer. Et si Dieu t'a donné la formation d'un enseignant, la sagesse d'un enseignant et la compassion d'un enseignant, et tu veux te dédier à faire dissiper les ténèbres et apporter la lumière à ces âmes qui en ont besoin, chaque adolescent a besoin d'un enseignant. Chaque pécheur a besoin d'un chercheur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Les pécheurs autour de nous ne savent pas comment mener leur vie. Ils vont là, ils tombent dans les fosses. Mais chaque pécheur a besoin d'un chercheur. Chaque âme sauvée a besoin d'un berger. Les gens sont nés de nouveau. Les gens sont convertis. Parfois sont convertis loin. Ou bien convertis par la prédication des autres que vous ne connaissez pas. Ou qui ne connaissent pas. Ils vous rencontrent. Et ce n'est pas un accident que Dieu les mette sur votre chemin. Chaque âme sauvée, chaque saint a besoin d'un berger. Chaque membre a besoin d'un ministre. Chaque membre dans l'église. Je viens à l'église, mais personne ne connaît mon nom. Je viens à l'église, personne ne m'a jamais abordé pour ça, pour me dire bien arrivé. On nous donne un accueil général, mais personne n'affecte ma vie. Personne ne me connaît. Chaque membre a besoin d'un ministre. Chaque ministre a besoin d'un mentor. Nous, ceux qui prêchent, ne doivent pas penser qu'ils ont la fiche, ils ont la Bible, j'ai la concordance, j'ai tout. Tu as besoin d'un mentor, quelqu'un pour examiner ta vie et dire, fais ça de telle manière, fais ça de telle manière. Et quand tu le fais de cette manière, que tu reviens, dis, je l'ai fait. Et j'ai la mesure de succès. Et t'enseigne et te forme encore. Chaque Josué a besoin de Moïse. À cause de ce que Dieu a établi, pour que Josué devienne, chaque Josué a besoin de Moïse. Chaque Élisée a besoin d'un Élie. Oui, l'homme était engagé. Oui, l'homme était consacré. Oui, l'homme rêvait d'un jour où il aura l'abondance de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il serait devenu s'il n'était pas resté jusqu'à ce dernier jour où Élie a dit, maintenant, demande-moi ce que tu veux. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Chaque Élisée a besoin d'un Élie. Chaque Apollos a besoin d'un Aquilas avec Priscille. Pour le prendre, oui, il connaissait déjà quelque chose. Il avait été formé sous une personne, pas moins que Jean-Baptiste. Mais quand ils l'ont écouté, il dit, celui-là a besoin de notre aide. Il a besoin de notre formation, il a besoin de notre touche. Chaque Apollos
a besoin d'un Aquilas et de Priscille. Chaque marque a besoin d'un Pierre. Et chaque croyant a besoin de la Bible. Et comme nous considérons toute la Bible, et nous voyons tous ces gens-là, nous revenons à nous-mêmes. Tu as besoin d'un Mardoché mentor. Je prie que ton mentor Mardoché ne soit pas loin de toi au nom de Jésus. Et tes ministres ne vont pas regarder ce que tu n'as pas. Ils verront ce que tu as, qui doit être développé, et tu régneras sur le trône. Donc, ne crois pas cela. J'ai dit, toi, tu régneras sur le trône au nom de Jésus. Dieu le fera réaliser dans nos vies. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que chaque Timothée a besoin d'un Paul. De la même manière, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il est évident qu'un homme serait plus devenu grand que ce qu'il aurait été, mais chaque Lot a besoin d'un Abraham. Mais Lot s'est laissé séparer d'Abraham et il n'est plus jamais devenu ce qu'il aurait pu devenir. Il a perdu ses troupeaux, il a perdu ceux qui ont marié ses filles, il a perdu même l'épouse et même il a perdu la dignité d'être un père. Il a raté sa chance. Je vois quelqu'un là-bas, tu ne rateras pas ta chance. Voyons ce Timothée, chaque Timothée a besoin d'un Paul. Voyons deuxième, 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Voyez le verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous voyez cela? Timothée avait été élevé par sa grande mère et sa mère. Et la mère, la grande mère, lui avait enseigné la parole de Dieu. En réalité, il était né de nouveau converti avant de rencontrer Paul. Chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce que ta mère, ta grand-mère t'ont enseigné, les Écritures t'ont conduit au salut. Et maintenant, vous comprenez, Timothée n'était pas converti par le ministère de Paul. Mais il dit, mon enfant bien-aimé. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 16. Lisons ici le verset 1er. Chapitre 16, le verset 1. Acte 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Il était déjà dans le corps de Christ. Un disciple, fils d'une juive, d'une femme juive, et d'un père grec. Il était déjà un croyant. Il était un enfant de Dieu. Et Paul l'avait rencontré à cette étape. Et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Ce converti rendait de lui ce croyant, rendait de lui cet enfant de Dieu, rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui.
et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Vous voyez cela. Spirituellement, il l'a adopté comme son enfant dans la foi. Les autres avaient travaillé et ils avaient montré la voie du Seigneur. Mais chaque fois que Paul se référait à Timothée, il ne disait pas un autre croyant ou moi il appelait son enfant. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée 1 verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3. Timothée n'a pas dit non, je ne suis pas ton enfant. Ne réclame pas ce droit. Je connaissais le Seigneur sur toi. J'étais né de nouveau avant toi. J'étais un disciple avant de te rencontrer. J'étais utile et profitable avant de te rencontrer. Et tu avais un bon témoignage sur moi. Non, il a accepté. Il est mon mentor. Il est mon ministre. Il est mon enseignant. Il est mon pasteur. Il m'appelle son enfant. Et je suis content d'être l'enfant de l'apôtre Paul dans la foi. Chapitre 3, verset 10. 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. C'est une chose de savoir. Et autre chose est de suivre de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, mes afflictions. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Comme il va te délivrer aussi. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs les hommes endurcis et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voyez le verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. L'apôtre Paul était un enseignant, un ministre, le berger, le pasteur, le mentor de Timothée. Et ce que Timothée est devenu ou sera devenu sans le soutien et l'accompagnement de cette personne. Il fut capable de réaliser et d'être ce qu'il devait être à cause de l'enseignement, du suivi, de la formation et de l'accompagnement venant de son mentor, l'apôtre Paul. Voyons Philippiens chapitre 2. En Philippiens chapitre 2, lisons le verset 19. Philippiens 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Ce qu'il dit, c'est qu'il enverra Timothée à Philippe. Il voulait avoir un bon rapport
un bon rapport, un rapport détaillé, et connaissait quelqu'un qui sera fidèle, transparent, qui ira là-bas et qui ramènera un rapport qui n'est pas modifié, un rapport qui n'est pas édité, un rapport qui sera sincère comparativement à la situation de l'église de Philippe. Verset 20, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Nous cherchons leurs propres intérêts, leurs avantages, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père, en se consacrant au service de l'Évangile. Il a continué à servir dans l'Évangile, digne de confiance. 1 Corinthiens, chapitre 4. En 1 Corinthiens, chapitre 4, ici nous lisons le verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, disant à tous les Corinthiens, soyez mes imitateurs. Et vous pensez que c'est impossible? Laissez-moi vous montrer un exemple. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Il sait ce que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Comment il a su? Il était avec Paul, partout, dans toutes les églises. Paul pouvait avoir la confiance de l'envoyer pour qu'il aille le représenter. Je prie que tu sois un tel fils, une telle fille dans la foi au nom de Jésus. 1 Corinthiens 16, le chapitre 16 de 1 Corinthiens, verset 10. Chapitre 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Écoutez ceci, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas différent. Vous ne verrez aucune différence entre Timothée et Paul. Parce qu'il a accepté la formation. Il a reçu la formation. Et la formation a transformé sa vie pour le mieux. L'enseignement que nous recevons, la formation que nous recevons, transformeront nos vies pour le meilleur au nom de Jésus. Esther a reconnu l'opportunité gracieuse qu'elle avait, non pas par le mérite. Elle n'avait rien donné à Mardochée pour que Mardochée puisse déverser sa propre vie dans la formation d'Esther. Il n'y a rien qu'elle pouvait donner à un mentor réellement envoyé de Dieu. C'était simplement un privilège et une opportunité que personne parmi nous ne doit rater. Tu ne rateras pas ton opportunité. Deuxième point, l'obéissance reconnaissante à son Mardochée, le ministre. L'obéissance reconnaissante à son Mardochée, le ministre. Revenons en Esther au chapitre 2. Verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, le lui avait recommandé. Car Mardochée le lui avait défendu.
et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Vous voyez l'obéissance d'Esther, ce n'était pas une obéissance de murmure. Il m'a dit de faire ça aujourd'hui. Il ne comprend pas que je ne suis plus une adolescente. Il ne comprend plus, il ne sait pas que j'ai atteint l'âge du mariage maintenant. Il ne comprend pas que je suis déjà marié à l'empereur, au roi. Il ne comprend pas que je suis une reine maintenant. Et il me dit, ne dis pas ça, ne va pas là-bas, ne touche pas ça, ne porte pas ceci, Mardochée. Je suis âgé maintenant, pas du tout. Ce n'était pas une obéissance de murmure, ce n'était pas une obéissance contraignante. D'accord, à cause de son statut, je ne sais pas ce qu'il fera. Il peut faire ci, mais non, rien de pareil. Ce n'était pas un service sous les yeux. Il y a des gens qui font des, qui donnent l'obéissance pour être vu, pas Esther. Ce n'était pas une obéissance temporaire, comme c'était avant qu'elle ne se marie, ainsi en était-il maintenant même. Ce n'était pas une obéissance sélective. D'accord, tu peux parler, mais je vais m'asseoir, je choisis, je vais strier, je vais choisir ce que je veux, je vais retenir les ordres que je ne vais pas obéir, je vais être une personne maintenant de ma propre volonté. J'étais entendu, mais ne pense pas que je vais tout faire, je choisis. Ce n'était pas une obéissance sélective, ce n'était pas non plus une obéissance trompeuse. Il y a des gens qui trompent dans l'obéissance. Ils cherchent quelque chose en fait. Et ils font très attention à leur manière d'agir, de se comporter, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et toute l'obéissance qu'ils manifestent à des moments pareils est une obéissance trompeuse. C'est pour pousser le monsieur et dire « Je suis un bon monsieur, je suis une bonne dame, je suis un bon garçon. » Et dès qu'ils ont ce qu'ils ont, après, ils disparaissent. Ce n'était pas une obéissance égocentrique, pensant simplement à elle-même ou à eux-mêmes. Ah, mon gain, mes profits, ah, mes primes, qu'est-ce que je vais gagner? Et pour cela, donc, ils sont obéissants. Elle était reconnaissante et pleine de grâce dans son obéissance. L'obéissance d'Esther provenait de son cœur et était chaleureuse. Vous serez vraiment content d'être l'enseignant d'une telle personne. Vous serez vraiment content d'avoir une personne comme ça en tant que ministre. Son obéissance était agréable. Son attitude, sa disposition, son caractère, sa conduite dans son obéissance, tout était agréable et bon à voir. Son obéissance était reconnaissante. Regardez ce Mardochée. Il n'a pas un fils de lui-même. Il n'avait pas une fille. Je ne voyais aucune démonstration de cela. Le monsieur lui-même s'est dépensé, s'est livré, sans compter le prix. Et sans être attristé, ah, je n'ai pas un fils, je n'ai pas une fille moi-même. Et parce que Esther était reconnaissante, elle a dit, un homme pareil, je dois lui obéir. Elle avait une obéissance pure et purificatrice. Esther était très belle de figure et de taille. Elle était vraiment jolie à voir. Et même le roi a vu la beauté d'Esther. Mais elle ne s'est jamais
Elle n'a jamais pris ça comme un sujet d'orgueil devant Mardoché. Mais elle n'a pas été un objet de tentation pour Mardoché à cause de Mardoché qui était belle. Son obéissance ne l'avait pas poussée à s'exposer à Mardoché. Elle avait une obéissance pure et purificatrice. Voyez Esther encore. Elle avait une obéissance constante et complète. Une personne qui n'est jamais fatiguée d'obéir. Et elle a pris l'obéissance comme une carrière de toute une vie. Si je ne fais rien d'autre, voici la seule chose à faire. De telles personnes doivent parvenir au trône. Comme toi aussi, tu rends ton obéissance au roi des rois, Seigneur des seigneurs, Jésus est notre roi, et tu rends ton obéissance pareille, chaleureuse, agréable et parfaite, pure et purificatrice, constante et complète. Il t'élèvera sur le trône au nom de Jésus. Notre obéissance, son obéissance était prompte et appropriée, assez bonne. Mardoché ne lui a jamais dit de faire quelque chose d'inapproprié, Son obéissance était sans interrogation, prompte et appropriée, dans la prière et valeureuse, scripturaire et sacrificielle. Je prie que le Seigneur me donne et te donne la vraie obéissance au nom de Jésus. Tu dis, tu t'inclus à ton père, ta mère. Ah, tu es venu dans le Seigneur. Ton père dans le Seigneur. Qui est ton mentor maintenant? Est-ce que vous serez surpris qu'un mois ne passe pas? Je dois lire et apprendre de John Wesley. Ces messages sont enregistrés. Les gens qui l'ont suivi jusqu'à cette semaine, la semaine qui s'est achevée hier, j'ai écouté encore, j'ai encore entendu, j'ai encore lu le mentor, les gens qui connaissaient le Seigneur. C'est ce qui vous garde frais. Voilà pourquoi vous demeurez constant et engagé. Dieu ne va pas te séparer de ton mentor. Ton mentor est encore vivant. Dieu ne va pas te séparer de ton Mardoché. Même si Mardoché ne parvient pas au trône, toi tu parviendras là où Mardoché n'est pas allé au nom de Jésus. Voyez ceci en Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant. L'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nos enfants ne vont pas se détourner de la voie de la justice. Voyez ceci, c'est très important. Proverbe 1. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ton père est encore vivant. Et ton père est chrétien. C'est une grande opportunité. Écoute l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Respecte ta mère. Honore ton père. Honore ta mère. Et un tel respect pour papa et maman, pour que lorsqu'ils disent « Voici le chemin à suivre », tu ne diras pas dans ton cœur « Vieux, femme dépassée, n'agis plus comme ça, nos camarades n'apprécient pas ça, nos amis n'apprécient pas ça, tu ne vas pas t'égarer au nom de Jésus. » Verset 10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire,
ne te laisse pas gagner. Tu respecteras ton père plus que ceux du dehors, ces pécheurs du dehors qui déambulent dans la communauté au nom de Jésus. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse, nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Tu ne vas pas t'associer à eux. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10 dit, lisons pas de verset 11, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Il corrige comme un père l'enfant qu'il chérit. Vous voyez, les gens qui sont amis, les amis de nos fils et filles, il regarde ça mauvais quand le fils, le père corrige le fils ou la mère, ou quand la mère corrige le fils ou la fille. Ta mère ne t'aime pas. Ton papa ne t'aime pas. Est-ce qu'il t'aime? Ne regarde pas ça. Ne va pas là-bas. Ne te mélange pas à ces gens-là. Ne va pas, ne fais pas, ne fais pas. Il ne veut pas que tu vois le côté florissant de la vie. Mais est-ce que ton papa t'aime? Bien sûr. Voyez le verset 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Chapitre 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Et soyez prêts à être enseignés. Demandez à papa et à maman, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pris cette décision. Il veut que nous allions pour une excursion. Mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est le mieux pour moi d'y aller ou de ne pas aller? Papa dit, qu'est-ce que toi tu veux faire, papa? Tu es dans ce monde avant que moi. Tu connais les choses qui vont m'aider et les choses qui peuvent ruiner ma vie. Dites-moi, papa, et je vais suivre. Je prie que Dieu te donne un tel cœur. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors. Sois enseignable. Mon père m'instruisait alors. Sois enseignable. Mon père dans le Seigneur m'a instruit. Sois enseignable. Mon mentor, mon ministre, mon pasteur, mon berger m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Tu vivras. Proverbe 5, verset 7. Proverbe 5, verset 7. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne reportez pas votre écoute. Ne reportez pas votre obéissance. Écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche.
Qu'est-ce que je vous dis? Verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et les années à un homme cruel. Revenons à Esther. Si Esther avait donné sa fleur, s'était livrée au garçon de la rue, à celui qui dort sous le pont et à celui qui n'est pas sous le contrôle de son père, de sa mère, et la bonté de sa vie en tant que jeune fille, qu'elle avait déjà vendu ça, maintenant qu'il était temps d'aller au trône, est-ce qu'elle serait allée au trône? Dites-moi à haute voix, tu ne feras rien aujourd'hui qui va t'arracher le trône de demain. Le Seigneur veillera sur toi. Le Seigneur ne te permettra pas, dans un moment de distraction, dans un moment de plaisir, pendant que ces garçons ou ces filles veulent s'imposer à toi, maintenant, quand il demande, comme Delila demandait à Samson. Finalement, Samson était fatigué, il a dit d'accord, l'information que tu veux, voici ça. Il a perdu ses yeux. Tu ne perdras pas ta vue. Tu ne perdras pas ta révélation. Tu ne perdras pas ta vision. Et ce que Dieu a établi pour toi, et ce que tu dois devenir dans la vie, je me réjouirai dans ma vie de te voir au sommet au nom de Jésus. Chapitre 6, verset 20. Proverbe 6, 20. Mon fils, garde les commandements de ton père et n'abandonne pas les lois de ta mère continuellement. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Verset 22 maintenant, 23, car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Comme tu vas à l'école, fils et filles, les discussions avec les autres camarades de classe, pendant que normalement tu ne dois pas marcher avec eux sur le chemin, vous parler, et lui ou elle demande, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Comme tu retournes à la maison, bon, maman m'attend, papa m'attend, je ne sais pas ce qu'ils ont à l'esprit, quand je serai à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es au second cycle, hein? Et c'est quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, commandement, moi, ah, je suis libre, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, tu es libre? Je ne vais même pas à la maison maintenant. Je vais ailleurs d'abord. Je vais partout où je veux. Et quand j'ai faim, si je n'ai pas à manger chez mon ami, alors je retourne à la maison. Et je retourne à la maison à 20h, 21h, 22h. Qu'est-ce que ton papa dit? Rien. Et qu'est-ce que ta maman dit? Rien du tout. Il prépare seulement la nourriture, je mange. Ils sont même contents que je suis content que je sois rentré. Sinon, je pouvais dormir dehors. Tu dis quoi? Tu es aussi libre comme ça? Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est le suicide graduel. Je ne serai pas comme ça. Verset 23 maintenant. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et nous ne pouvons pas voir le chemin. C'est le précepte qui nous illumine le chemin. Et la loi, l'enseignement, une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue.
de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Personne ne va te poursuivre dans ta vie. S'il se met derrière toi, ne te rompt pas. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements ne s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est ainsi. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Dieu merci, je serai innocent. Je parle pour moi-même, Église. Moi, je serai innocent. Le sang de Jésus te lavera plus blanc que la neige au nom de Jésus. Chapitre 7, verset 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Il y a certaines personnes qui sont si orgueilleuses, moi. Je peux aller aussi loin que je veux, hein. Quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je sens, quel que soit ce que je touche, je peux me retenir. Je peux aller aussi loin que je veux. Et ces gens-là qui ont une telle autoconfiance, c'est eux qui tombent les premiers, mais toi tu ne tomberas pas. Elle a fait tomber plusieurs. Et ils sont nombreux. Tous ceux, vous voyez. Et ils sont nombreux. Tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des... Sa maison, c'est le chemin de quoi? Du chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Je ne suivrai pas ce chemin. J'ai dit, je ne suivrai pas ce chemin. Et tu n'iras pas là-bas au nom de Jésus. Troisième point maintenant. L'obligation continuelle de tout membre sérieux. Esther 2. Verset 21. Esther 2, verset 21. Dans ce même temps, quand Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un roi. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Vous voyez quelque chose que Dieu a causé. Chaque saint de Dieu, chaque ministre de Dieu, chaque membre dans le corps de Christ doit être vigilant. Et c'est une obligation. Voici Mardoché. Il était assis à la porte et il a entendu deux
eunuques du roi, deux serviteurs du roi, complotant et planifiant de la manière dont ils allaient bondir sur le roi et tuer le roi et le détruire. Quand Mardoché l'a entendu, il n'a pas dit « Ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon problème. » Il a ses gens de sécurité. « Je ne suis pas un agent de sécurité. Moi, je suis à mon poste, à la porte. Tout ce qu'il planifie, ce qu'il complote, je ferme ma bouche. Ce n'est pas de moi qu'ils vont entendre ça. » Et vous avez, il y a des gens qui font le mal. Et quand ils font le mal, ils regardent autour d'eux, ils disent « C'est toi le rapporteur, c'est toi qui véhicule les informations, tout ce que tu vois, ta bouche là n'arrive pas à se taire, hein. Tu as vu ça maintenant, hein. Va le dire. Tu as vu ça maintenant, hein. Va rapporter. Tu as vu ça maintenant. Va exposer ça. Et nous allons régler ton cas. » Vous voyez, tu connais ceux-là qui... Ils sifflent les sifflets. S'ils savent régler... Et toi, c'est toi qui veux siffler le sifflet ici, dans l'église. Nous allons te chasser de l'église. Tu ne verras plus le jour. À cause de ça, l'obligation que Dieu a confiée à chaque membre. Pour que tu ne permettes pas au mal de s'enraciner dans l'église. Mais tout le monde se tait. Même les prédicateurs se taisent. Quand il apprend qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, qu'il y a un mauvais œuf qui veut détruire les autres œufs, ils n'ont pas le courage et le cœur de parler contre le mal. Je prie que cette obligation revienne dans ton cœur, dans nos cœurs. Si tu vois le mal, tu ne vas plus te taire. Tu ne te tairas pas. Tu ne resteras pas du côté des malfaiteurs au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. 1 Corinthiens 11, verset 11. 1 Corinthiens 11, 11. Il m'a été rapporté de la part des frères de Chloé. Il y a un rapport. Et l'apôtre Paul n'a pas dit de façon superficielle, il y a des disputes parmi vous. Il dit qu'il m'a été rapporté. C'est 1 Corinthiens chapitre 1 plus tôt. 1 Corinthiens 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, et ce n'est pas vrai. Il les a corrigés. Je prie que tu sois un bon enfant de Dieu dans l'église au nom de Jésus. Chapitre 5, maintenant le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Les gens ne sont pas tués. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas chez les païens. Ça, c'est mauvais. Ça pourrit. Et que cela a été rapporté qu'il y a l'impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Que l'un de vous a la femme de son père. Il parlait en langue. Il recherchait les dons de l'esprit. Ils étaient actifs dans l'exercice des dons spirituels, mais l'obligation de rapporter, l'obligation de purifier s'échappait d'eux. 1 Corinthiens chapitre 11, chapitre 11 maintenant, versets 18 et 19. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, j'entends, il y a parmi vous, un membre de l'église est venu me le dire, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie.
car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Mais une chose est d'entendre, mais une autre chose est que le pasteur, le ministre, ait le courage de faire quelque chose à ce sujet. Si tu es un pasteur et tu entends dire, ou le rapport te parvient, qu'il y a la corruption, la souillure, l'infidélité, la souillure pratiquée, Dieu te donnera le courage de purifier l'église. Quelqu'un aide-moi à crier courage. Nos pasteurs seront courageux au nom de Jésus. Tu auras le courage. J'aurai le courage. J'aurai le courage. Et Dieu te donnera le courage au nom de Jésus. Maintenant, si quelqu'un n'a pas le courage, le rapport lui est parvenu. Et on l'a informé que ceci se passe dans l'église locale. Il n'a pas le courage. 1 Samuel, chapitre 2, 22. 1 Samuel, 2, 22. Élie était fort âgé. Il n'y a rien de mauvais à être âgé. Mais le courage avait aussi vieilli et émoussé. Sa colonne vertébrale était courbée et raide. Ses yeux étaient affaiblis, pratiquement aveugles. Son cœur était insensible. Il ne pouvait plus traiter le péché. Il était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Vous imaginez combien de fois Élie était devenu aveugle, comme il l'avait affaibli. Il ne le faisait même plus en secret. Il le faisait à la porte, à l'entrée de la tente d'assignation. Peut-être il venait pour la préparation du sabbat, pour rendre le service au jour du sabbat, et devant là-bas, après s'être préparé pour le service, à la porte là, il commettait le mal avec les femmes. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends. Sa voix me met affaiblie. Plus de force, plus de courage. Il n'avait plus le courage. Il n'y a plus de feu en lui contre la corruption. J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants. Pourquoi dire non? Non, c'est vrai. Papa, il ment contre nous. Non, il ne ment pas contre vous. Non, mes enfants. Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous ne péchez pas seulement, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils
plus que moi. Il y a des gens, ils honorent ces membres pécheurs plus que Dieu. Ils honorent ces membres méchants, rétrogrades, souillés, corrompus plus que Dieu. Nous avons besoin d'eux. Si on renvoie tout le monde maintenant, si on discipline tous ceux qui commettent fornication ou adultère, tous ceux qui volent, si on discipline tous ceux qui vont au couvent, tous ceux qui font ci ou font ça, si on discipline tout le monde, qui va rester? Parce que c'est ton fils, parce que c'est ta fille. Et d'où viens-tu? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Loin de moi. Il n'y a pas de sécurité éternelle. Loin de moi. Tu ne veux pas continuer à pratiquer le mal et demeurer dans l'œuvre. Ta vie ne m'honore plus. Ta famille ne m'honore plus. La corruption a gagné le meilleur parti de ta vie. Loin de moi. Je prie que Dieu ne te renvoie pas. Romains chapitre 1. Verset 32. Romains 1. Verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il y a des gens qui prennent plaisir à soutenir ceux qui font le mal, pratiquent le péché. Et ceux qui sont des rétrogrades, ceux qui sont les aigles, les œufs pourris dans le panier des bons œufs, ils les connaissent. Mais ils les couvrent, ils les mettent sous leur couverture. Et si tu veux dire, ah viens ici, j'ai entendu que tu as fait ci, j'ai entendu que tu as fait ci. C'est la voix de l'enfer. Ces gens qui les cachent sous le parapluie de la partialité. Hein. Qu'elle aille en enfer, qu'il aille en enfer, mais laisse-le dans la chorale. Qu'elle aille en enfer, hein, mais laisse-la parmi les surveillants. Laisse-le aller en enfer, hein, mais laisse-le dans l'œuvre qu'il fait. Non, ne touche pas, ne le touche pas. Nous apprécions leur don. Quelque chose qui lui arrive après longtemps. Quand il sera de l'autre côté, ça c'est eux, entre eux et Dieu, mais laisse-les. Et ces gens-là, ils savent que c'est mauvais de faire le mal. Ils connaissent le jugement de Dieu, mais ils couvrent tout, ils cachent tout. Ils approuvent ceux qui les font. Tu ne seras pas parmi eux. Je ne ferai pas partie d'eux. Et tu ne vas plus cacher le mal au nom de Jésus. Tu dois aimer les gens que tu exposes. Tu aimes les gens que tu rapportes. Afin qu'ils ne périssent pas pour aller en enfer. Voyons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, lisons le verset 11. Éphésiens 5, 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça, c'est comme cette obligation échappe à l'Église. Échappe à l'Église aujourd'hui. Et personne n'est à même de réprimander les malfaiteurs. Ils n'ont plus le courage, ils n'ont plus la colonne vertébrale, ils n'ont plus la sincérité, la transparence, ils n'ont plus l'amour et la conviction pour la sainteté. De ramener tous ceux qui s'égarent sur le chemin de la justice. Mais toi, tu ne seras pas comme eux. En 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, lisons le verset 22. 1 Timothée chapitre 5, verset 22.
Le verset 22 dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Quand tu les caches, tu participes à leur péché. Quand tu ne regardes, tu tolères leur péché, tu participes à leur péché. Tu les encourages, tu leur dis, même si je sais, continuez, fais ce que vous voulez faire. Ils ne vont jamais entendre ça de ma bouche. Tu n'assumes pas ton obligation. Parce qu'il dit, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. Et tu seras pur. Je serai pur. Je vais demeurer pur. Rien ne va entacher ta pureté au nom de Jésus. Revenons à Esther. Chapitre 2, Esther. Chapitre 2, verset 21. Dans ce même temps, quand Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa. La reine Esther, qui la redit au roi tout ce qu'elle avait entendu de Mardoché. Immédiatement, promptement, elle agissait. Tu seras de ce caractère. Tu auras ce cœur pour que tout ce que tu entends de la part de ton pasteur, de ton Mardoché, de ton mentor, de ton ministre, de ton berger, tu agiras immédiatement au nom de Jésus. Mardoché a eu connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. De la part de Mardoché, rendant l'honneur à qui l'honneur est dû, donnant le respect, ce n'est pas moi, je n'ai pas eu ça, c'est Mardoché qui l'a découvert. Et quand la précision avait été, le fait ayant été vérifié, trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Il semblait que c'était fait, tout le monde avait oublié. Mais c'était enregistré. Tes bonnes œuvres sont enregistrées. Tes bonnes œuvres ne seront pas oubliées. Même s'il semble que cela a été oublié, un problème était survenu pour Mardoché. Il ne se courbait pas, ne prosternait pas devant Aman. Aman était fâché, furieux. Il a dit, je vais régler le cas de ce monsieur-là. Maintenant, il a appris qu'il était juif. Il a dit, alors, non seulement lui, mais je vais régler le compte de tous les juifs. Aman a allé à un festin. Il était bon, il revenait, il a vu Mardoché encore. Cet homme debout, tel qu'il se tenait toujours. Tu tiendras toujours tel que tu le fais toujours. Il a dit, ça c'est suffisant. Je vais régler le compte de ce Mardoché. Il a dit à sa femme et à ses amis. Ses amis et sa femme lui ont dit, très facile. Mets là le bois et il faut le suspendre sur le bois. Mais je n'ai pas le droit. Va lui en parler au roi alors. Réveille-toi tôt le matin et va demander ça au roi. Et débarrasse-toi de lui. Personne ne va se débarrasser de toi.
tout ce que le Seigneur établit pour toi dans la vie, tu le feras au nom de Jésus. Dans l'église, tout ce que Dieu a établi, tu le feras. Dans le corps de Christ, ce que Dieu a établi, tu le feras. Et tes bonnes œuvres seront enregistrées au nom de Jésus. Chapitre 6 maintenant, d'Esther, verset 1. Chapitre 6 d'Esther, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bithan et de Térech, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela ? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. » Mais tu ne seras pas oublié. Le roi, alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois. Impossible. Personne ne peut te pendre. Personne ne peut te tuer. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tes bonnes œuvres vont te dévancer au nom de Jésus. Il est venu parler au roi pour pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme? Le roi ne lui a même pas permis de parler, de dire le mal qu'il voulait faire à Mardoché. Le roi des rois ne permettra pas à tes ennemis de parler. Il fermera leur bouche. Et leurs mauvaises intentions qu'ils veulent faire contre toi ne marchera pas. Le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le Seigneur va t'honorer. Publiquement, publiquement. Dans la ville, dans ce pays, le Seigneur veut t'honorer et va te montrer au monde. Verset 10, le roi dit à Aman, prends tous de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour... Vous voyez ceci?
et fais ainsi pour tes ennemis fléchiront devant toi. Et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Il est attristé. Il a été vaincu. Il a été défait. Comme tes ennemis seront défaits. La tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Mardoché avait quelque chose de bon écrit. Le roi a regardé les chroniques. C'est comme ça la promotion est parvenue à Mardoché. Tu dois avoir quelque chose de bon écrit dans les chroniques de Dieu. Tu vois le mal, rapporte-le. Tu vois la rétrogradation, va, restaure-les. Aide-les à arrêter. Ça, c'est honorer Dieu. Et apporte la gloire à Dieu. Cela sera écrit. Et au jour de ta promotion, au jour de ton couronnement, au jour de ton élévation, tout le bien que tu as fait sortira publiquement pour le reste du monde. Je te verrai quand tu seras promu. Je te verrai quand tu es honoré. Je te verrai le jour de ton élévation. Sème la semence maintenant. Fais le bien maintenant. Expose le mal maintenant. Et Dieu est sur le point de te promouvoir. Lève-toi et parle au Seigneur. Chaque Esther a besoin de Mardoché. Chaque Élisée a besoin d'un Élie. Chaque membre a besoin d'un ministre. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de la parole que je t'ai donnée aujourd'hui. Appelle ça à Dieu dans la prière. Et que Dieu fasse de toi comme Esther, comme Mardoché. Et l'œuvre de Dieu, que Dieu nous a confié comme obligation, va prospérer entre nos mains, ou ta bouche parle à Dieu.